Salut à tous les gars, c'est Wilky. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va réaliser la cover du son de Pidi qui est sorti ce matin. Actuellement, c'est celui-là. Voilà, je vais vous mettre un petit extrait. Ok, voilà. Donc je vous laisse aller voir son clip. Donc on va réaliser la cover. Donc comme vous savez, on a déjà réalisé 3 de Inoxtag, je crois. Donc là, on va faire celle de Pidi. J'ai un peu regardé les clips, tout ça, donc c'est des moments à l'ancienne. Donc j'ai vu un petit peu ces vidéos, je vais vous montrer un petit peu les techniques, tout ça. En même temps, on va réaliser la petite cover, donc tout est sur téléphone. J'essaie de faire de mon mieux sur le téléphone avec l'appli PixArt, c'est gratuit. Donc voilà. Donc pour vous commencer, j'ai déjà pris le fond, ça sera une cuisine. Donc quitte à se demander pourquoi, tout a commencé un petit peu dans une cuisine, tout ça, pour Pidi, tous les trucs bouffe, tout ça, ils sont un petit peu dans ce thème. Donc j'ai voulu prendre ce thème et je trouve que c'est un beau fond. Donc déjà on va mettre en mode YouTube, donc on va prendre le plus bas, voilà, parce que faudra ressortir des petits accessoires. Donc c'est une cuisine que j'ai vu, j'ai trouvé sur internet. Donc voilà, donc on va voir si on met un petit effet. Je vais voir, peut-être j'avais pensé, tu sais, mettre un effet comme ça, mettre un effet un peu comme ça, mais je crois on le mettra à la fin, celui-là, l'effet bruit. Donc là pour le moment on va rien mettre. J'ai un petit peu cherché des petites photos, j'ai un petit peu cherché tout ça. Donc à cette partie là, ici on écrira le titre, c'est toi de Pidi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pensé? Donc on va ajouter les photos. Donc là, vous voyez qu'il y a un burger ici, ça, il y a ça, il y a le trophée, il y a ça par rapport à Fortnite, par rapport à Valouz, tout ça. Là, il y a un petit cadre, vous allez voir, c'est pour mettre la photo, tout ça. Donc déjà, on va prendre le petit burger. On va prendre le petit burger, on va voir où on peut le caler, ce petit burger, on va le découper, essayer de faire un truc propre. C'est de faire un truc propre déjà. Parfait. Juste là, là. Là, il y a un petit souci, là. Là, il y a un petit souci. On va pas le prendre, cette partie où il y a du blanc. On prend pas. Est-ce que là, déjà, c'est mieux? Là, c'est déjà mieux. Là, il y a un peu de blanc aussi, ici. Ok, on enlève tout ça. Ok. Est-ce que là, c'est mieux? Quand on le voit comme ça, de toute façon, il sera en petit. Donc, c'est pour mettre... En fait, là, on va mettre des petits easter eggs. Oui, on va dire ça comme ça. Ouais, des petits trucs qui vont faire penser, bah, punaise. Voilà, donc là, il y a un petit burger au fond. Donc, on va un petit peu plus le descendre, je pense. Non, pas le rétrécir. Voilà, plus le descendre comme ça. On va mettre un petit effet où dessus, on va le voir un petit peu bruit. Voilà, peut-être que ça, ça passerait déjà mieux. Voilà, là, ça passerait déjà mieux. Donc là, le petit burger à cet endroit-là. À cet endroit-là ou plus bas? Plus bas peut-être. Voilà, donc déjà là on va mettre des petits easter eggs comme ça. Donc, vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo, voilà, le but c'est de mettre un petit peu des petits easter eggs. Donc là au Mexique, parce que ça a été je pense un gros moment, et tous les vlogs de Valouz, tout ça. Donc on va pas mettre des thèmes par rapport à tout. Donc par rapport à des vacances qu'ils ont passées ensemble, je crois on va pas mettre le petit filet là. Le petit filet, je pense on va l'enlever directement. Je pense on va l'enlever. Ok. Là, le blanc, la partie blanche, on va l'enlever aussi. On va faire tout petit à petit, les gars. Donc, celui-là, je l'ai trouvé un petit peu plus difficile, celui-là, à faire. Voilà, et là, il y a les petits cactus. Donc là, ce que je pense, où on va le mettre... Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Là, au-dessus de ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas au-dessus de ça? Faudrait voir comment on pourrait le faire. Pas le faire tenir, mais vous voyez, histoire de le caler... Déjà, on va mettre le petit effet bruit dessus. Voilà, je pense que c'est l'effet qu'on va le plus utiliser sur cette vidéo. Voilà, petit truc comme ça. On va le caler là. Est-ce que ça le ferait? Attends. Attendez. Là, est-ce que ça le ferait? Pourquoi pas? Là, on voit un petit peu. Ok, l'effet bruit, on l'a fait. Ensuite, je pensais en fait mettre... Regardez, je vais vous montrer. Là, je pensais prendre cette photo... Et là, les mettre sur le truc. Donc, ici. Donc, c'est-à-dire... Alors, attendez. Je vais un petit peu vous montrer. Non, pas ombre, pas ombre, pas ombre, pas ombre, pas ombre, pas ombre. Non, non. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Opacité, c'était ça, moi, que je voulais voir. Vous voyez, c'était les mettre dessus. Donc, attendez. Déjà, on va voir un petit peu comment ça allait faire. Si on les mettait dessus, ça aurait fait un truc un petit peu comme ça. Ça aurait fait comme ça. Il serait un petit peu... Ouais, il y aurait pas leurs jambes, il y aurait pas leurs jambes. Donc j'ai préféré laisser tomber ça, j'ai préféré laisser tomber. Et là, ce qu'on va faire, donc attendez, il y a aussi le trophée à mettre, il y a aussi le burger de Fortnite, parce que Fortnite, tout ça, c'est par rapport à Valouz. Et voilà, donc
Pourquoi pas, ça on va peut-être déjà le mettre, où est-ce qu'on pourrait le mettre? On pourrait le mettre là derrière et le faire un petit peu caché, tu sais, qui ressort par rapport à la langue. Vous voyez un petit truc, alors attendez, faire un petit peu comme ça. Est-ce que déjà comme ça le ferait? T'as fait un peu gros, mais voilà. Donc attendez, un peu plus petit peut-être, pourquoi pas. Effet, on remet pareil, bruit, ok. Là on va le gommer, cette partie ici, qui va faire que là, ce côté, on ne le verra pas. Ok, on va rétablir un peu. Ok. Là, comme ça ferait ça. Voilà. Appliquer. Voilà, là, on le voit. Mais vous voyez, il y a des petits easter eggs comme ça qui se cachent et on doit rentrer un petit peu dans le thème. Donc voilà, ça, c'est parfait. Ensuite, le trophée. Le trophée, je pense, on va le mettre... oh, relou. Le trophée, il faut qu'on le voit. Donc, je pensais le mettre... Ou sinon, je pense qu'on le mettra en dernier. Attendez, je sais qu'il y a un truc qui a mal été coupé. Je pense qu'on devrait le mettre là, comme ça. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Qu'est-ce qu'il me fait, ce trophée, là? Vous voyez qu'on le mette là, par terre, mais où il y a le titre. Donc, attendez. Abandonner. On va faire directement le petit cadre. Donc, voilà. Donc, je pensais prendre un petit cadre. Voilà, donc on va le découper. Ok. 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 Là, le cadre, je pense c'est parfait. Ça a l'air d'être parfait. Parfait, ça. Donc, le cadre, je pensais le mettre... Alors, attendez. Là, faudra trouver la précision. Parce que faut... Je vais le cacher. Où il y a la lumière. Vous voyez? Attends, attendez. On va trouver bien l'endroit droit par rapport à la table. Ok, là, je pense qu'on l'a. Ça m'a l'air un peu gros, là, par contre. Je pense qu'on va le mettre là. Je pense qu'on va le mettre là, au bord de la table. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, un petit truc comme ça. Ou là, peut-être cette partie, on va la gommer. Peut-être ça, là, on va le gommer un peu. Pour faire genre que la partie soit derrière la petite lumière. Est-ce que là, ça va déjà mieux? Là, ça va déjà mieux, ok. Et on va mettre pareil un petit effet bruit parce que voilà, faut tout rester dans le thème. Effet bruit partout, ok. On va mettre ajouter photo. On va prendre la photo de Pidgey Valouz. Voilà, histoire de montrer toujours rester dans le thème. Alors attendez, on va bien faire le truc. Putain, là, ça va être chaud, les gars. Ok, c'est bon, j'ai la technique. C'est bon, j'ai la technique. Là, opacité, on va un petit peu effacer. Est-ce que là, ça va? Est-ce que là, ça a l'air d'aller? Là, ça a l'air d'aller, mais attendez. Faut qu'on gomme quelques petites parties. Voilà, on va gommer cette partie-là. Comme ça, la photo, elle aura un effet un petit peu imprégné dedans. Voilà, c'est ce qu'on veut, hein. Voilà, toujours rester un petit peu comme ça. Voilà. Ok, alors ça. Là, comme ça. Là, ça a l'air d'être parfait, là. Mettre un petit effet dessus. On va mettre un petit effet. Bruit. Voilà. Là, normalement, ça va. Là, ça a l'air d'aller. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on va écrire le petit texte. On va écrire c'est toi, donc attendez. Pas que je fasse d'erreur de frappe parce que avant j'en faisais toujours. C'est toi. Voilà. Donc ça, on va l'écrire en commun. Comment on pourrait l'écrire ça, celui-là? Comment on pourrait l'écrire? Comment on pourrait l'écrire? Comment on pourrait l'écrire, les gars?
Comment on pourrait l'écrire? Non, là on voit rien. Moi j'avais pensé comme ça, mais non. Peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Là ça a l'air d'être bien ça. En fait, je sais pas. Comment on pourrait l'écrire? Comment on pourrait l'écrire? C'est toi, c'est toi. On va faire par rapport à la table ou par rapport au sol? Par rapport à la table, ça ferait plus droit comme ça. Je cherche une écriture, hein, les gars. Comment on pourrait l'écrire? C'est toi comme ça? Alors attendez. Déjà, le trait, on va pas en mettre, je crois, mais la couleur, je crois, on va mettre gris foncé. Gris foncé avec un petit contour. Pardon. Alors, avec un petit contour blanc. Gris foncé avec un petit contour blanc. Est-ce que comme ça, ça le ferait? Ah, mais l'écriture, je sais pas, c'est ça qui... qui me pose problème là. Déjà le gris et blanc, je pense que ça passe bien. C'est toi peut-être comme ça. Par contre, ça, on va un peu le baisser, c'est-à-dire ça. Il faut que ce soit aussi lisible. Alors, attendez. C'est toi, peut-être comme ça. Ah, là, ça va déjà mieux, je pense. Là, je pense qu'on tient un petit truc. Si on mettrait gris clair. Si on mettrait gris clair et on agrandirait un petit peu. On montait un peu. Alors, attendez. Je ne sais pas. Désolé hein, pour le temps, les gars. Au moins, vous voyez un petit peu ce que ça fait. Et si vous voulez voir la fin, bon, bah, vous avancez. Je pense que ça, ça irait. Donc, on a mis 16. Et couleur, ça. Et la police, on a mis Maiden. Ok. Donc, je pense que ça, ça va. On va mettre Pidi. On va mettre juste Pidi. Midi, mais non, pas midi. Ok, Pidi. Super, ça, ça l'a déjà fait. Gris. Ou sinon, blanc. Et le contour gris, si on changerait. Si on changerait, ça ferait ça. Et lui, je pense qu'on le mettrait en dessous. Ou là, au coin, là. Au coin, peut-être. Pourquoi pas comme ça? Pidi, c'est toi. Voilà. Je pense qu'on l'a un petit peu. Je pense qu'on l'a un petit peu, donc attendez. Effet. Bon, c'est classique, les gars. C'est classique, mais il faut pas aller dans... Non, je pense que comme ça, c'est mieux. Non. Ou attendez, si on baisse un peu l'effet bruit. Et on monte un petit peu, petit à petit. Donc là, de base, c'était comme ça. Voilà, faire un petit effet comme ça. Voilà. Est-ce que... Et là, il y a des petits easter eggs, tout ça. Donc voilà, je pense que ça ferait ça. Ok, donc voilà l'équipe. Voilà, donc on a réalisé la petite cover. C'est toi. Bon, c'est un petit peu discret le c'est toi, mais bon, je pense que ça va. Il faut pas que ce soit trop lisible. Et je pense que c'est agréable à voir. Le petit like, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager pour que Vépidier et Valouz y voient. Et voilà, tchuss l'équipe.